aujourd'hui au JITEXT pour la troisième journée. Nous tenons à remercier l'ADD, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, ainsi que la fédération APB, la fédération de l'IT et de l'offshoring, pour cette opportunité qui nous est donnée justement de participer à cet événement et d'avoir un aperçu global de l'écosystème digital et de la digitalisation telle qu'elle peut être vue à travers le monde. Aujourd'hui, j'en ai profité pour faire venir avec moi deux étudiantes que je chapeaute un petit peu, que j'essaie d'aiguiller un petit peu. Une doctorante en AI et une qui est en train de passer son master en AI également et qui, en plus de cela, sont de futurs entrepreneurs, des futures start-upers. D'ailleurs, elles ont déjà été qualifiées, sélectionnées pour les 100 start-ups lors du JITEXT et elles ont fait très bonne impression. Et on en a profité pour faire un tour, pour voir un petit peu tout ce qui se faisait au niveau technologie lors de ce salon. Et on en a surtout profité pour les introduire auprès de l'écosystème marocain et la fédération APB, où elles ont pu côtoyer un petit peu tout ce qui est technologie marocaine et poser des questions et récupérer énormément d'informations et de conseils de la part de nos membres. Et ce qui va les encourager à aller encore plus en avant dans ce domaine et intégrer prochainement l'APB en tant que start-up.